Par contre, nous avons appris que le gouvernement de l'austérité a trouvé 400 millions pour les médecins spécialistes. Le même gouvernement offre moins que l'inflation à celles et à ceux qui enseignent à nos enfants, qui nous soignent comme ils soignent nos parents, qui ont largement contribué à l'édification de notre pays. Il y a vraiment quelque chose d'indécent dans ce deux poids, deux mesures, dans la dévalorisation systématique du rôle de ceux et celles qui ont fait le choix du service public. Nos enseignants, nos infirmières, nos préposés aux bénéficiaires et tant d'autres citoyens et citoyennes qui consacrent leur vie à l'amélioration de nos services publics. Nos services publics ont contribué à notre émancipation, à notre enrichissement et à notre affirmation. Au Parti québécois, nous croyons au rôle fondamental des femmes et des hommes engagés dans le service public. Ils méritent notre reconnaissance et notre respect.